Et plop la VOD, on lance tout de suite le deuxième épisode, le deuxième étape, le deuxième chapitre. Et évidemment, ça commence par du texte. Mais en Scanny, c'est juste trop bien. On a tout. C'est trop bien, on a tout dépensé dans des chips et il nous reste plus que 200 dollars. 200 dollars alors qu'ils étaient à 1200 ou quelque chose comme ça. Mais t'en fais pas, on va en faire d'autres. Ah, faut les réassigner. Ah, quoi que. Non, Kenny, tu vas là. Voilà. Plus proche de la salle de repos, mais normalement. Non, il a pas plus de stamina. Bon, tant pis. Toi, tu fais pousser des plantes, moi je fais pousser des cartons. Je te jure, il y a des gratte-ciel de cartons chez moi. Ouais, c'est ça de préparer le déménagement. Ouh, j'ai un. Arrive. Au garage. Qu'est-ce qu'ils veulent, rouge? Qu'est-ce qu'ils veulent, rouge? Ah, qu'est-ce qui se passe, les gars? Et quoi, t'es pas sliding? Tu vendais un peu de verre? Ouais. Pourquoi, t'en veux? En fait, vous êtes sur mon territoire de chasse. Alors, vous devrez me payer un peu de kickback là, si vous voulez continuer vos crackers. Des questions? Ouais, t'en fais pas. Personne va crumble, se faire écraser. Payez-moi 420 $ tous les deux jours. Et vous avez intérêt à être sûr de les avoir quand j'arrive. Et ton premier paiement, c'est maintenant. Montre-moi le cash. Mais... Qu'est-ce que t'as dit? Tu veux que je t'écrase les boules? Non, ça va aller, 420 $. Il n'y a pas des inspirations de Breaking Bad des fois dans ce jeu. J'ai l'impression... Et puis, je crois que je l'ai mis dans le titre, mais... Non, je l'ai mis dans mon annonce, dans mes annonces. Mais je suis ce jeu-là qui m'a un peu hypé quand j'ai vu à quoi ça ressemblait. Et puis j'avais bien kiffé la démo de Cartel Tycoon. Du coup, j'ai l'impression que les jeux de drogue, c'est trop bien. Enfin, de gestion de drogue, on va dire. Ouais, c'est mieux comme ça. Et tu ferais mieux d'être sûr d'avoir mon paiement quand je reviens. Ah mince, vieux. Ouais, tu m'en parles pas, on doit faire quelque chose, vite. T'as une idée, super vendeur? Ouais, j'ai une idée, on a besoin d'une autre base, une que tu peux... Je serais pas au courant. Il y a un vieux club de PC pas loin. On pourrait faire une autre base et bouger là-bas. Ce sera le plan. On va continuer de le payer pour le moment. Comme ça, il nous tue pas. Mais dans le même temps, on va créer cette autre base et... Au vieux Old Computer Club, au vieux club de computer de PC.
On va équiper la nouvelle base et quand tout sera prêt, on mettra cet endroit en pièce et quand ça, ce connard, il nous retrouvera plus. Je pense que ça sera facile. Mes petites boules de fromage me disent que c'est une mauvaise idée. Non, ce sera cool. C'est cool, j'ai déjà fait un millier de fois. Et au fait, ça va sans dire. On devrait éviter d'aller dans des... De se déplacer dans des bâtiments contrôlés par des gangs. Ils vont nettoyer le sol avec nous. Et on devrait les éviter. Old Computer Club, c'est celui-là. Ces deux bâtiments-là. Les jeux de drogue. Snowball, il a mal tourné. Après, les jeux d'alcool, quand t'es ado, il fait ça. Oui, du coup, pour take over le bâtiment, je suppose qu'il faut se battre contre ces gars-là. Alors, j'ai quoi comme pièce? Puisque du coup, ça a été un peu beaucoup réarrangé. Le cache est ici, la locker room est là. Est-ce qu'on peut upgrade? Je ne pense pas. Les deux ventes sont là, le canapé est ici. Est-ce que j'essaie de l'attaquer avec mes dealers ou... Il y a quand même 4 mecs quoi. C'est peut-être pas des gardes, mais il y a 4 mecs. Non, je vais le renvoyer lui. Ouais. Je vais attendre minuit. Et je vais embaucher un combattant. Ok, ça marche. A plus, Pito. Ouais, en plus, faut faire gaffe au paiement, là. Quand ça, y a plus de clients. C'est déjà 5h du mat. Hop. Ah, il attendait son tour. Donc Peter qui fait 6.7 de dégâts. Et lui, du coup, on lui dit bonjour. On aurait besoin d'un petit coup de main par là-bas. Plus il part avant que le camion de l'autre qui veut cette thune arrive. Ouais, tiens. Ok, dans 2 jours. Ouais, il y aura de l'argent pour toi. Quelque chose qui va pas avec ce mec. Attendez, mais mon fighter est mort en instant. Bon. Tu vas direct travailler. Je vérifie juste ça quand même. Ouais, il va travailler. Donc on embauche Tracy, Lucas. Et on les envoie. Est-ce qu'il y avait un tuto d'ail Gna gna, drug usage. Non. Équipement, non, on n'a pas vu. Speed, on a vu. Chérie.
pensais que ce serait des... Des gars normaux, pas des combattants, quoi. Dis à ma maman que je l'aime. Mais il meurt ? Mais... Elisabeth. Peut-être pas... De thunes, hein. On a embauché tellement de mecs. Super, le vieux club est à nous. Super, tu veux jouer à Dota? Je ne fais pas sortir mes Dragon Balls, mais en premier, on va devoir faire une nouvelle base. J'ai déjà tout montré, du coup je te laisse tout faire cette fois. On peut pas continuer à payer ce gars. Donc on doit se dépêcher de faire cette base, comme ça on peut bouger. Oh shit, Kenny, c'est du sang. On dirait qu'un de nos gars est blessé, qu'est-ce qu'on devrait faire? T'en fais pas, on a du green. Quand du Green va nous aider, ça soigne? Bien sûr, Green est très 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 utile. Ça traite tous les ailments. Vas-y, essaye. Donne du Green à quelqu'un qui est blessé. Et moi je veux juste le vendre, cet employé. Fois 1.5 pour la vie. Ah, et puis la barre par contre diminue petit à petit. Il a 6 de dommages. Ah, il soigne. Je veux juste le vendre, mais regarde. Qui est là dès que je vois un 1 là, dès qu'il a fini de produire. Que la fois d'avant.
Allez, tu vois. Ouais, le green, ça soigne vraiment. Kenny, tu viens de sauver la vie de quelqu'un. Ouais, perdre 100 dollars. Surtout pour un mec qu'on s'en fout. Finally. Il revoit le traitement. Pas mal. Je devrais me prendre une grosse part. Maintenant, je vais te faire payer 800 dollars tous les deux jours. Et continue bien, les gars. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce que tu dis ? Quelque chose à propos de ces boules de fromage ? Je dis que c'est pas possible, c'est beaucoup trop. Tu veux que je te montre comment je découpe des cheese balls, des boules au fromage? Je vais te montrer maintenant. Non, c'est bon. 800. C'est juste bien. Je pouvais pas mieux. On va faire 800 à partir de maintenant, merci. Cool. Dans deux jours. Cutter, il se passe avec la nouvelle base, tout est prêt, on doit se dépêcher. Ouais, presque. J'ai rien fait. Excellent, quand la nouvelle base est prête, on va se déplacer et vendre tout l'équipement du garage. On aura besoin de monnaie, et comme pour Tupo, on va le laisser prendre un bâtiment vide. Ok, cool. Allons-y. Attendez, mais ralenti. Ok, alors. Genre là, on va faire. Storage. Générateur, locker. Cache. Ouais, storage ici. Là, on va faire la production. J'ai besoin d'électricité. Non, l'électricité. On va la mettre là. Générateur. Là, on va faire la production. Là, on vend ça, on vend ça. Ça, c'est une break room. On peut vendre ça. Hop. Donc, ici je sais plus. Ici on a besoin d'une production, j'avais dit. Ici on peut se faire la salle de repos. Ici on a besoin de vendre. On n'a plus de cash. Non, l'inverse. Quoique non, c'est bon, il y a tout le monde. Et ça, on peut vendre. On peut tout vendre, du coup. Ah mince, ouais. Locker room, c'est ça. Et on embauche, non, et on le upgrade. Il n'y a pas de thune. Est-ce que je peux la vendre maintenant? Non. Celle-ci, on peut la vendre.
J'ai tout vendu là. Dans l'idée ça, je peux vendre ici, je peux fabriquer une salle de vente. En vitesse normale normalement. On n'a pas de cash, on n'a pas tout, mais bon. Oh, il a 1,5 maintenant. J'ai bien tout enlevé ici. On dirait. C'est marrant de devoir tout vendre alors que on pourrait transporter. Ah, on a besoin d'un espace de stockage. Tac tac tac, c'est celle-ci. Et qu'un de vous survit, je serai de retour dans 2 jours pour l'argent. Vous êtes vraiment des cons, les gars. Tu penses que tu pouvais me cheese? Où est mon cash? Y a pas d'argent pour toi, hein. On n'est plus sur ton territoire. Quoi? Mon territoire? Peut-être bien. Mais je vais vous défoncer quand même. Soyez prêts, je vais vous retrouver. Je vais vous défoncer. Sur vos crackers. Mais non, Skenny, tu nous as vraiment mis dans la merde. Dans quoi tu nous as mis? Oh, relax. Je l'ai fait 1 millier de fois, mais il est cool. S'il a fait 1 millier de fois qu'il en est toujours là, force. Ouais, et... on est sur le territoire de qui maintenant? Ah, c'est le territoire de Miguel, pourquoi? Ouais, c'est bien ce que je me disais. Ce serait peut-être une bonne idée si on contactait et qu'on lui disait qu'on était là. S'il le retrouve plus tard, il pourrait nous défoncer. Ouais, Gunter, c'est une bonne idée. On va l'appeler ou quelque chose. Ouais, bien. Tiens, mon téléphone, appelle-le. Pourquoi tu veux que je le fasse? C'est ton idée, appelle-le toi-même. Oh merde, bien. Donne-moi son numéro. Hello, Miguel? Hello. Ouais. Ouais, c'est Gunter et Kenny. On a une proposition de business pour toi. De quoi tu parles? Alors, on a un petit green business.
se rend compte que notre business est sur votre territoire, sur ton territoire. Peut-être qu'on pourrait arriver à un arrangement. Rin, tu dis Ok, ouais, lui, ouais, ok, t'as bien fait d'appeler. On peut faire affaire ensemble. Tu peux même m'en vendre un peu. Tous les deux jours, je prendrai 10 greens pour 745. 10 pour 745 au lieu de 10 000. Ça fait qu'on perd 300 et quelques. Très bien, Gunter, t'es sûr que tu l'as jamais fait avant? Bah, je sais pas, mais je claque des genoux là. Alors. On time in spécification. Comme par exemple quand on a besoin d'accumuler 10 packs de green pour Miguel. On doit ne pas vendre pendant un bout de temps. Pour ça. On peut soit enlever tous les dealers pour vendre, on choisit un employé, lui travailler ailleurs ou quelque part où ils peuvent pas travailler, ou on clique là sur ce bouton pour éviter de vendre du green depuis cette salle, mais on peut le réactiver après. Genre là je dis hop, arrête de produire, arrête de vendre. Mais tant qu'à faire, autant avoir une deuxième zone de production. C'est où? C'est là. Et c'est lequel qui produit le mieux? Kenny. Toi, tu viens là et Kenny, tu viens là. C'est ouvert, les gars. Hunter, je connais ce mec qui a mis une crowbox avec plein de tubes et de bouteilles. En vrai, un truc bien pour améliorer les growers. Avec une growbox améliorée, on pourra produire plus vite. Oh yeah, juste à temps. On pourrait peut-être réussir la commande de Miguel. Allez, on va le faire. On devrait faire la base un peu mieux en ce moment. Des meilleures roues, des meilleures pièces, serait bien plus efficace. Et essayons de réparer quelque chose d'autre dans ta base aussi. On pourrait avoir un meilleur canapé pour se reposer plus efficacement. Alors. Moi, ce que je veux, c'est upgrade de ça. Heureux m'upgrade à Revelable. Ouais. Donc, ça consommera 2 d'énergie en plus pour 2 de productivité en plus. Un peu plus de stamina, un peu plus d'explosion, de chance d'explosion. Ça ferait la production plus rapide et facile. Mais beaucoup plus de fumée, beaucoup plus de chances d'avoir une explosion, et ils seront plus fatigués plus vite. Ah, pas assez d'électricité. Ouais.
Se relaxer là-dedans, c'est comme un rêve. C'est trop bien. Je veux me lever aussi vite que possible. C'est un peu bizarre, contradictoire, je dirais. Voilà, des temps de repos plus courts. Ça, on peut pas... Ça, on peut l'améliorer. Ok, on peut améliorer la vente. Ça, c'est déjà amélioré. Est-ce que... Ah, copper coil, ça génère plus d'électricité. Ça, juste marche. Il y a la petite machine là à côté. Alors cette production de green, elle est pas ouf dans son emplacement, mais et qu'est-ce qui se passe? Le produit est réduit et prêt? Non, on n'a pas eu à temps, on n'a plus le temps. Vous croyez que je me moque de vous, les gars? Méga... Vous arrivez à vous défoncer. Et si vous survivez, je serai là dans quelques jours pour récupérer. Hein? Mince, j'ai cliqué trop vite. Ah, il va à côté. Non? Non, il est en train d'arriver. Ils vont nous défoncer. Merde, Gunther, on est cuit. C'est tout à cause de toi. Ok. T'en fais pas. Tout va aller bien, on va réussir. Et comme tu veux. Juste joue normalement cette fois. Ah ouais! C'est quoi on l'appelle? Le checkpoint. Mais on a vraiment pas le temps. Tout. Upgrade. Ça. Upgrade. Oui. Upgrade. Oui. Bien ça, hein, lui en prod il a 1 alors que lui il a 0,5. Faster. Ça c'est déjà fait.
Ça normalement c'est déjà fait. C'est un peu dommage qu'on voit pas les pièces qui ont déjà été améliorées. Allez vieux. Allez, vous pouvez le faire. Juste deux en quelques heures. Ça devrait aller. C'est bon. J'ai dû arrêter les ventes, mettre un gars qui produisait en plus. Non. Non. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, n'importe. Tiens, t'es des greens. Comme on l'avait dit. Tiens, t'es $750. Vas-y, continue. À dans deux jours. Et à plus. Donc là, le but, c'est pas forcément de vendre plus vite. Mais c'est de produire plus. Beaucoup de déplacements, mais bon, il bosse tellement à un à l'heure, sinon. Avec un vendeur et les deux producteurs, ça a l'air de passer. Ça reste un peu juste, mais... Non, ça va le faire, Gunter. C'est un bon gars, Gunter. Travaille bien. Et puis, il n'y a pas beaucoup de clients, apparemment. Heureusement. On commence à avoir à peine un peu de stock. Et à plus. Capacité 3000. Mais on va bientôt être à blanc. Eh, pas mal les gars. Je pense que c'est le moment d'augmenter le volume. Je vais vous donner 2 jours et... Je vais attendre 20 greens. Wow, je pense pas qu'on peut en faire autant. Creuse profondément. Ou je vais t'exploser les dents avec mon truc dans mon point d'argent, je pense. 2 jours. Je serai là pour le prochain truc et je paierai 1700. 7 et 7, 14, ah, ils nous payent plus du coup. Et au lieu de payer 1500 s'il avait juste doublé les proportions et le prix, il me paye mieux. Et je reviendrai les gars. Ok. Ouais. Mais là tout de suite en fait
prod, ils sont tous les deux pourris. Du coup, j'en suis à... Mais j'ai pas d'électricité, je peux rien faire là tout de suite. Il m'a dit de creuser plus profondément, j'espère qu'il y a un tuto qui va m'expliquer comment faire. Parce que c'est pas l'envie qui manque. Mais là, je suis obligé de... J'ai arrêté toutes les ventes, ouais. Oui, on est d'accord. Je suis obligé d'arrêter toutes les ventes. Juste pour espérer produire suffisamment. Dans le temps imparti. Apparemment ça va être juste hein. Apparemment ça va être juste, on peut peut-être accélérer. Et 20 pile poil. Alors la production est prête. Ouais vieux, 20 juste comme on a dit. Et pas mal. Tiens t'es 1700. Ah, dans 2 jours. Ouais à plus. Du coup, vu que je peux pas mettre, je peux rien faire, du coup on va te virer toi. C'est trop juste, je peux pas me dire je vends deux de production. Tu vois Gunter, vas-y garder ton pantalon, pas mouiller ton pantalon. Tout est sous contrôle. Et je t'ai dit que j'avais un mauvais feeling. You're living a peu de... Ouais. Tu vis un rêve. Ça va encore être un peu juste. Il y a Red qui vient. Faire, est-ce qu'ils vont m'attaquer? Ils m'attaquent. Et ben Kimberly. Ouais, je vous ai trouvé. Tu pensais que vous pouviez vous pouvoir vous barrer avec mon fromage? Repense-y. Ah merde, Kenny. C'est Wignut encore. Est-ce que ce gaz a l'air sous contrôle pour toi? Par où il arrive? Oh merde. Pense, sale idiot. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Je veux pas mourir. C'est le territoire de Miguel, hein. Tu peux pas capturer notre base, Agnès, à moins qu'il veuille répondre à Miguel. Ouais, mais... On sera déjà de la nourriture à poisson à ce moment-là. On devrait trouver un moyen de le distraire. Ouais, ça y est, j'ai une idée. Qu'est-ce qui t'est arrivé encore cette fois? je l'ai fait un millier de fois. Donne-moi le téléphone. Est-ce que j'ai... On voit plus le compteur. Je suis à 15 sur 20. Hello, Miguel. Hello. J'ai pas besoin de flat monkey aujourd'hui. Je nourris mes animaux de compagnie. Ok. Non, j'ai une information importante pour toi à te partager. Il y a 2 jours,
J'ai vu Tupo, un hein, gars Tupo Cleaning Wood, a drugstore, qui avait un drugstore. Il ressemblait à un des vôtres. Ah ce con. Ouais, je vais le défoncer. Merci gars. Get you back out there. Green is going to tupose. Ouais, ok. Ouais, plop de haut. Oui, non, je joue à ce jeu, c'est tout. Et ça, c'est pour mon drugstore, tupo. Je sais que c'est toi qui l'a défoncé. Qu'est-ce que tu racontes, crackhead? Je vais te défoncer. Ok. Battez-vous. Moi, dès que j'ai 20, je recommence à vendre, d'ailleurs. Tu vas voir ce qui se passe quand tu te moques de moi. T'es fait, non, maintenant. Ouais. C'est très imagé. Ouais. Par contre, moi, toi, adieu. C'est mon territoire maintenant. C'est une guerre, Miguel. T'as raison, c'est une guerre, tu peux. Ouais, nous. Non, non, non. Toi, tu continues. Ouais, Kenny, t'as vraiment foutu le dawa. T'en fais pas, je l'ai fait un millier de fois. Ils se tiennent la main ou quoi? Le restaurant Sensitive Squid. Restaurant asiatique apparemment. Gunter a rencontré un super programmeur. Il avait l'argent pour démarrer le développement de son jeu. Et il avait plusieurs idées pour des mécaniques de jeu, des nouvelles mécaniques de jeu. Dans le restaurant chinois en face de la rue, Kenny était déjà en train d'attendre pour Gunter. Des restaurants chinois où ils bouffent des frites. Autant une bière ou je sais pas quoi, oui, mais des frites. On doit savoir ce qui se passe entre Tupo et Miguel. Ça coûte trop cher d'avoir affaire avec eux. On doit trouver un autre moyen de vendre nos trucs. Les têtes s'assombrissent et tout d'un coup Hui Xiao les approche, le propriétaire cuisinier serveur et qui nettoie le resto, le propriétaire qui fait tout. Coca, mais c'est pas un restaurant chinois, arrêtez. Je sais que ce jeu est fait avec la drogue en tête, mais les développeurs, c'est pas pendant qu'on. Pas pendant qu'on crée l'histoire. Enfin, je peux vous aider avec quelque chose. C'était évident que le restaurant était en train de tourner en rond. Tourner le. Circling the Drain. Je sais pas. T'es en train de couler, je pense. Mais Gunter avait une autre idée brillante. Le
le petit 3 pour la bouche, trop kawaii. Le dealer bien dur. Et le niveau est fini. Et ben, qu'il attend encore à peu près une heure. J'espère que l'épisode vous a plu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.